Let's go, let's go. Come on, come on, come on, let's go. Let's go, Rick. Let's go, Rick. Come on, Rick. Skate. Skate left and patate, Rick. Come on. Go, 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 go. Let's go, Gary. Let's go, skate, Gary. Come on, Gary. Skate. Gary? C'était pas Rick il y a deux secondes? Ouais, mais je n'ai plus qu'un qui joue. Ouais, comment? Les quatre. Et tout mis dans la même équipe, c'est plus simple. Let's go, Peter, skate! Come on, Peter, skate! Come on! Hey, tes enfants, ont-tu tous des noms anglophones? Non, non, c'est juste pour le hockey. C'est leur nom de hockey. Ça plus le fun de crier ça que « Let's go, Simon-Olivier! Let's go, René-Charles! Skate, Franklin! Hey. » Ouais, vu de même. Let's go! Come on, les amis, come on! Salut les boys! Grosse game un matin? Oh yes! Ah, mon oncle qui est dans les buts, qui est toujours à terre. Hey, lève-toi! Comment? Tu vas pas y aller des hémorroïdes! Voyons. Faut pas trop leur en demander, là. C'est niveau atome. Voyons. Non. Me lève pas tous les matins, samedi matin, 6h, venez me jeter le cul dans l'aréna de marde. Hein, pour pas que ça pile plus tard. On a un des quatre qui va virer pro. Je ferai pas des annonces de Sponge Towel toute ma vie, moi, là. J'espère. C'est bon, Gary! C'est bon! Belle passe! Tu vas avoir du dessert à soir! Tu donnes du dessert à ton gars quand il fait un beau jeu? Ouais, une passe, c'est du dessert. Quand il score un but, c'est le plat principal. En tout cas, une chance qu'on te paye pas au gag, hein? Tu serais mort de faim. Oh, come on, ref! Ton jeu, ça, ref! Come on! Ouvre tes yeux, couche dans tes lunettes! Du beurre, la pinotte! Voyons, mais relax, là! Le ref a 15 ans! Moi, j'aime ça, le sport, moi. Ça donne des bonnes valeurs aux jeunes, tu sais, comme la confiance, la discipline, l'esprit d'équipe. Puis en plus, ben, ça donne un heure de break aux parents. Ouais, c'est vrai que ça donne des bonnes valeurs. Hey, frappe-les! On pas les devant, là, ouais! Arrache la tête! Des bonnes valeurs, comme ça, moi. Wow, Phil! Des légumes. Ouais. Hey, man, toi, là, faut que je te dise, là, tu m'impressionnes. Avec ta remise en forme, puis traverser le parc en bicycle, puis honnêtement, là, bravo. Sincèrement, je voulais une poutine, mais la cantine est devenue une cantine végétarienne. Tu peux me dire, c'est qui le cave qui a décidé de faire ça à notre aréna, vierge? Je sais pas ça. Ouais. Hey, qui c'est qui a dit ça? Let's go, les boys! Let's go! Let's go! Ah ben! Brathwaite! Je savais pas que ton gars jouait dans l'autre équipe! Phil, c'est Georges! Ah. Puis oui, il joue pour les moutons de Sainte-Dorothée! Hein? Les moutons de. Ça doit être lui, le mouton noir de son équipe! Hein, Marie? Non. OK, c'est bon. En tout cas, s'il est comme toi, il ne doit pas se laisser manger à laine sur le dos. Non, ben non. OK. Non. Coudon, sont combien dans cette équipe-là? 1, 2, 3. Ah! Excusez, je me suis endormi. J'ai compté les moutons. Non. Hé, hey, Lalaque, ton fils, sais-tu se battre comme toi, là, en sauvant aussitôt que ça brasse? Hé, hey, coudon, me cherches-tu, lui? Non, mais calme-toi, Grégory, là. Hé, hey, c'est Josh, Phil. Hein? Toi, P.A., ton enfant, quel numéro? 12. Celui-là avec la couette, là? Ouais. Les patins blancs? Oui, monsieur. Let's go, Sabine! Commande, Sabine! Papa, il t'aime, mon bel amour, oui! Vas-y! Vas-y, joue! Vas-y! Go! Papa, il t'aime, Sabine! C'est cool que ta fille joue au hockey, là! Parce que si elle faisait du patinage artistique, sincèrement, tu pourrais pas crier genre « Oh, skate, skate! » comme un mongol! Ah. « Oh, skate, skate! » Non, mais elle adore ça, faire du hockey, tu sais. Puis moi, ben, je trouve ça le fun pour elle, tu sais. Elle fait de l'exercice, puis... Ouais, mais là, pourrais-tu faire un petit peu plus d'exercice parce qu'elle a ralenti la progression de nos espoirs, là? Oh! Oh!
Oh! Wow! Yeah! Wow! Bravo, Sabine! Un beau but! Bravo, ma chérie! Papa va t'acheter une pouliche! C'est sûr, mais c'est mon gars qui a fait le jeu. Il a fait la passe toute, là. Hey, let's go, Tommy! Là, arrête de jouer comme un fif, là! Come on! Comme un fif, François? Voyons, je sais que tu vas... Veux-tu bien me dire quel poste de radio t'écoutes quand tu viens à Québec, toi? Hey, moi, là, remarque bien, là. C'est vraiment pas ça que ma fille sort avec un joueur de hockey professionnel. Ah, c'est une gang de baveux, là, d'égoïstes, puis de machos, puis de sexistes, puis de prétentieux. Ils sont imbus d'eux-mêmes, en plus. Ils sont méprisants. Hey! Qui c'est qui a dit ça? Quand ils parlent pas de toi, ils parlent des vrais joueurs professionnels. Tu sais, ceux qui scorent des buts. Mais, toi, Boucard... Je regarde ça, là, ton gars, il est végétarien, hein? Faudrait peut-être que tu fasses manger un steak, hein? Parce que ça fait trois fois qu'il s'évanouit en échappé. C'est George, Phil! Ouais. Toi, ton enfant, quel numéro? Ah, j'ai pas d'enfant qui joue. Ah, il joue à sa game d'après? Ah, non. Moi, mes enfants jouent pas au hockey, là. Non, moi, avec des commotions, je veux qu'ils gardent leur intelligence au-dessus de la normale. Mais là, qu'est-ce que tu fais ici d'abord, Phil? Ben, moi, j'ai trois enfants. Le samedi matin, je veux la paix. Fait que je viens ici. Ah, oh, comment, hey! Comment, c'est punition, hey! Ça! C'est slashing! Il a arraché la tête! Un 5 minutes, là, ouais! Comment, réveille-toi! Bon. Comment, comment! Oui, ça va si on lève! C'est assez! Allez, on s'y fait! Hey, hey, moi, ben, hey! Tu fais là! Hey! Les essuie-tout, là, ça va dans le recyclage! Hey! Check! Oh. Hey, m'a juste regardé s'il est correct. Il est correct!